distingués invités et chers amis parlementaires des cinq coins de la francophonie. Je suis tout à fait ravi de vous voir et de vous recevoir ici à Québec et de vous voir en aussi grand nombre. De Tanger à Kinshasa, de Phnom Penh en passant par Erevan et Fredericton, la francophonie vibre dans toute sa grandeur et dans toute sa diversité. Nous ne pourrons pleinement relever les défis présents et à venir sans la pleine participation et mobilisation de ces forces vives que sont les femmes et les jeunes. Je vous salue, vous parlementaires. En fait, je devrais dire, je vous salue, vous qui avez le pouvoir véritable de changer les choses. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'année 2018 nous offre l'opportunité de nous pencher sur le fonctionnement de nos institutions pour les rendre plus lisibles, mais aussi pour les réformer d'un point de vue institutionnel. Notre Assemblée ouvre le chemin de l'écoute, renforce le lien social et prône le dialogue et le respect des valeurs qui nous rassemblent. Parlementaire francophone, elle ne fera rien toute seule, elle a des perspectives d'action, mais on veut le faire avec vous tous. Et ça aussi, c'est une donnée du monde. Celles et ceux qui pensent que nous sommes suffisamment forts tout seuls, eh bien, se trompent. Donc, la francophonie, c'est un magnifique outil, et je suis convaincu qu'au-delà des aspects matériels qu'il nous faut envisager, au-delà de la langue, c'est d'abord ce que vous avez exprimé avec force, c'est les valeurs qu'il apporte. Et c'est ces valeurs que nous devons aussi emmener dans la réflexion du monde global qui est le nôtre. Moi, je crois que, en fait, la conclusion de tout cela, c'est que, définitivement, en matière de francophonie, le Parlement a toujours un temps d'avance sur les gouvernements.